Salut l'équipe, c'est Coach Léco. Aujourd'hui, on se retrouve pour un circuit training d'enfer. Un circuit training qui va nous entraîner sur l'explosivité, la puissance et l'équilibre. Trois éléments super essentiels pour le footballeur. En plus, vous pouvez combiner ce circuit training avec mes deux séances gratuites. Le lien est dans la description, vous avez juste à cliquer dessus. Et les deux séances, je dis bien deux séances, donc c'est plusieurs exercices, sont à vous directement. Alors si tu veux vraiment progresser, si tu te sens un peu lent dans ta vitesse, si tu te sens un peu lent au démarrage aussi, et dans tes prises de balles, sur les contacts, tu as de mal à rester debout, ce circuit training va t'apprendre toutes ces choses et va pouvoir te faire progresser sur ces points-là. Allez, j'espère que tu es prêt, moi en tout cas je suis chaud. Pour te montrer les exercices, c'est un circuit training que j'adore et que j'ai construit en plus moi-même, alors c'est pour ça que j'adore encore plus. Alors j'espère que tu es prêt, échauffe-toi bien et on est parti. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et ce circuit training. Alors je le répète, il va te permettre de progresser sur les domaines suivants. La puissance, donc la puissance c'est la force fois la vitesse, donc très important pour le sprinter ces exercices. L'explosivité, pareil, c'est la dose d'énergie qu'on met au démarrage et sur chaque appui, la tonicité qu'on peut mettre. Et l'équilibre qui est très important aussi pour rester debout lors de sprint, parce qu'il y en a, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est certains de vos potes, ou même sur vous, il y en a, ils arrivent à sprinter et même à tomber à un moment donné vers l'avant, ce qui est plutôt incroyable. Donc l'équilibre très important et aussi sur sa reprise d'appui pour les dribbles ou pour maîtriser le ballon. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, faites-la correctement, en tout cas moi c'est ce que je viens de faire, c'est pour ça que je n'ai plus ma veste de coach. Donc voilà,
n'oubliez pas de vous étirer et de faire des assouplissements à la fin de ce circuit training, c'est très important. Et voilà, je vous souhaite de bons entraînements, de bons matchs, une bonne progression et toute la réussite que vous méritez. Bonne fin de journée l'équipe, ciao !